Moi, monde va bien. Donc, on va continuer aujourd'hui. On va commencer avec le cours de construction digitale. Donc, par rapport à la nomination, le cours est toujours appelé cours PVC, mais le module n'est plus PVC. En fait, c'est un module découvert. Et j'ai choisi pour vous cette fois-ci, donc, la construction digitale. Alors, avant de commencer, je souhaiterais donc reparler de votre spécialité parce qu'il y a un point très important là-dessus pour comprendre le reste, pour comprendre l'intérêt de la construction digitale. Je vous ai dit la dernière fois, donc, je vous ai parlé un peu sur les tâches que vous aurez à faire en tant qu'ingénieur dans la vie professionnelle. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez un petit peu. Donc, qui peut me dire à peu près ça consiste en quoi, vos tâches principales en tant qu'ingénieur? Alors, quelqu'un? Personne n'a une idée sur ce qu'il y a à faire en tant qu'ingénieur, que vous aurez à faire en tant qu'ingénieur. Là, vous ne m'entendez pas. Bonjour. Ah, là, c'est tout ce que je peux faire. Hâte d'être mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous avez entendu la question que j'ai posée? En temps, je vous ai parlé la dernière fois, en tant qu'ingénieur dans la vie professionnelle, dans votre cas, quoi, quelles sont les tâches que vous aurez à faire?
vous ai parlé la dernière fois. Vous aurez à faire quoi? Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez au moins? Est-ce que vous avez un problème avec le son ou un problème avec WebEx lui-même? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question que j'ai posée? Est-ce que vous m'entendez bien? N'y a personne pour réagir ou quoi? Non, Oui, monsieur, c'est bon. Et quand même, parce que j'ai posé une question, j'ai parlé, j'ai demandé est-ce que vous m'entendez bien? Personne n'a réagi. Et quand même, c'est un cours, Ada, c'est pas une présentation, c'est pas. Je ne suis pas en train de présenter mon projet de fin d'études. D'accord? Alors, il faut avoir une certaine réaction, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas évident les cours en ligne, ni pour l'enseignant, ni pour l'étudiant, mais quand même, il faut faire un effort. OK, alors je reviens à la question. Vous ne pouvez pas me dire, les gars, Kemara comme Hagda, vous êtes Shara comme 5, vous êtes 24, un peu plus, Shara comme 29, et personne n'a pu répondre à la question que j'ai posée. Personne ne sait, n'a même pas une idée sur les tâches que vous aurez à faire en tant qu'ingénieur. Vous en avez parlé là-bas. Mais je n'ai pas question, cher Alain Troltanaya. Une fois vous serez ingénieur, inchallah. Donc, quelles sont les principales tâches que vous aurez à faire? Ou là, du moins quelques-unes. Validité technique d'un projet. Et c'est général, Le mais c'est vrai. plomb, faire la plomberie ou le plomb, faire l'électricité, enfin, peu importe. Électricité, ventilation. Très bien, voilà. C'est quelque chose dans ce sens-là. Plus précisément plutôt. Donc, je vous ai dit la dernière fois, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape calcul, enfin l'étape le premièrement l'étape. Donc, je veux installer un système de climatisation centralisé. Oui, mais quel système? Quel type de système? Est-ce que c'est un système à détente directe? C'est un système VRV, par exemple, qui fonctionne avec du gaz, avec du fluide frigorigène, comme Kemal a clim l'air, par exemple. Ou bien un système à eau glacée, donc où j'aurai l'eau qui va être refroidie dans un local technique ou la terrasse ou là. Ensuite, envoyé vers les unités intérieures à l'intérieur de mon bâtiment, ou là, il y a une CTA, une centrale de traitement d'air qui va traiter, ou tu vas être l'air frais ou l'air chaud directement dans le bâtiment. Donc, je dois faire un choix du système tout d'abord. Par exemple, là, je suis en train de parler de l'HVAC, hein, de la climatisation. D'accord? Donc, HVAC, HVAC, Heat Ventilation Air Conditioning. Ça, c'est, vous allez rencontrer ça très souvent pour ceux qui vont faire la climatisation, les fluides en général, la mécanique. Parce que je vous ai dit la dernière fois, il y aura une séparation après dans le domaine professionnel. Et on a ceux qui vont se spécialiser dans tout ce qui est mécanique, donc climatisation et plomberie. Et on a ceux qui vont se spécialiser en électricité. Et c'est deux domaines complètement séparés, complètement différents. Nقدرش Il n'y aura jamais un très bon ingénieur en mécanique et en électricité en même temps. Parce que ensuite, il y a toute une expérience, tous des systèmes à apprendre, etc. Donc, c'est très vaste pour apprendre les deux.
Ce qui est bien avec votre spécialité, c'est que si vous vous spécialisez en mécanique, vous aurez toujours des notions d'électricité. Ce qui est une très bonne chose parce qu'il y a un très grand lien entre les deux disciplines. D'accord? Donc, apprendre, connaître l'électricité, connaître les bases de l'électricité, c'est une très, très bonne chose pour vous. Mais en réalité, lorsqu'on parle de spécialisation, donc, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Vous allez choisir. Une fois dans le domaine professionnel, il faut choisir. OK. Donc, pour la partie climatisation, par exemple, même pour l'électricité, il faut choisir quel type de système, quelle est la solution. Ensuite, il faut faire des calculs, une conception, et au final, donc, sortir un cahier de charge, un descriptif technique de la réalisation, donc le système, comment il va être, etc. Et sortir aussi une série de plans afin que l'entreprise qui va faire la réalisation de l'étude que vous avez fait une étude, une proposition d'un système, etc., bien détaillée à l'emplacement de chaque équipement, les dimensions des réseaux d'Elcom, etc. Donc, il y a une entreprise qui va à laquelle vous allez communiquer toutes les informations où vous êtes arrivé. Donc, vous avez trouvé des dimensions, vous avez choisi un emplacement, etc. Donc, comment communiquer avec l'entreprise? C'est grâce au descriptif technique et au plan. Donc, les plans ad hoc pour dire exactement par rapport à l'architecture, au plan architectural. Voilà, on a le réseau d'y aller, l'emplacement de chaque équipement, les dimensions de chaque équipement, de chaque réseau, etc. Donc, c'est ça ce que vous avez à faire, ce que vous aurez à faire en tant qu'ingénieur en général dans les bureaux d'études. Pour la partie donc réalisation, là, c'est vous allez jouer dans l'équipe de l'entreprise, dans l'équipe du bureau d'études. Donc, vous allez recevoir des plans. Là où il y a dessiné toute l'installation, etc. Et vous allez réaliser selon le plan ADEC et selon le descriptif technique. Donc, soit qu'on ouvre le bureau d'études, vous êtes en train de faire le design, la conception, soit vous serez dans l'entreprise de réalisation, c'est des ingénieurs comme vous aussi, qui vont suivre l'étude ADEC pour réaliser. Et moi, je vous conseille, entre parenthèses, de jamais commencer dans la réalisation directement. Il faut commencer par l'étude. Il est préférable, il est vraiment déconseillé de démarrer directement par avec la réalisation. Faut bien, comment dire, il faut bien maîtriser la conception pour aller à la réalisation. OK, donc voilà dans les bureaux d'études ce qu'on fait en général. Donc, le problème avec tout ça, il y a un problème. C'est que parfois l'estimation n'est pas exacte. C'est clair et net, on va dessiner, on va faire des plans 2D, mais parfois pour imaginer le réseau ADEC et Fachalaudia, etc., on risque de faire des erreurs, soit le concepteur, soit l'entreprise, en lisant les plans. Il peut y avoir quelques contraintes, quelques erreurs. Il y a un autre problème aussi, c'est par exemple comment dire, les dernières mises à jour. Par exemple, l'architecte, vous savez, lorsqu'il sort le plan d'Yalo, le plan de l'architecture du bâtiment, il le sort en plusieurs versions. Donc la première version ou la première révision, on appelle ça. Donc c'est la révision zéro. Il va juste faire la conception générale. Ensuite, il va corriger des problèmes. Donc, il va appeler le client va lui dire moi, je veux le local le plus grand, le local le. Donc, il va faire des modifications. À chaque fois, des modifications, et parfois des modifications énormes. Par exemple, l'emplacement des escaliers, au lieu de côté est, il du côté ouest, il connaît le dernier leader en bras, il a une porte, il a de l'autre côté. Donc, il y a parfois des modifications énormes. Et le problème qu'on trouve dans le système classique, qui est en train de se faire à presque 100% hein, actuellement en Algérie,
On travaille qu'avec le système classique. Donc, pas à dépasser. Le système classique. Mais le problème avec c'est quoi? C'est que même l'architecte, parfois, il est dans la version ou la révision 5. Par contre, l'ingénieur en équipement, il est dans la version 2. Parce qu'il y a un problème de coordination. Alors, l'ingénieur, il travaille avec un ancien plan où il y a eu des modifications après. Donc, vous imaginez, lorsqu'il envoie le plan à l'entreprise de réalisation, il le local, l'équipement il n'existe plus parce que l'architecte, il a changé. Ou comme l'ingénieur. Donc, il y a toujours des problèmes, des conflits de coordination et de communication. D'accord? Est-ce que vous entendez au moins? Vous suivez bien? C'est Oui, clair? on a fait. Bien. Ok, alors, d'autres problèmes, un autre souci très important, c'est que lorsqu'on dessine en 2D, c'est-à-dire avec AutoCAD ou actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui dessine avec la main, donc c'est supprimé carrément de la Terre. Mais lorsqu'on dessine avec AutoCAD ou un logiciel de dessin en 2D, c'est que l'imagination ne suffit pas pour résoudre les conflits d'interférence. D'interférence, c'est quoi? C'est lorsque un des deux réseaux qui passent dans le même endroit. Donc un des réseaux de gain, par exemple, il joue à 3 mètres du sol, ou un autre réseau de tuyauterie, il joue le même endroit. Donc, on appelle ça des conflits, ou là des clashs, ou là des interférences. On appelle ça le plus souvent des clashs. D'accord? Et d'ailleurs, on dit détection de clash. Donc, détection qui trace les deux réseaux en même temps. Et ça arrive donc dans tous les projets. Dans tous les projets, il y a le problème, Hada. Ce qu'il y a à faire comme solution, donc, il te met sur place, l'entreprise va essayer de trouver des solutions, par exemple, etc. Et c'est des solutions très coûteuses. Lorsque ça n'a pas été étudié dès le début, le problème, on essaie de le résoudre, donc on va perdre de l'argent et du temps, etc. Donc, allège toujours les projets, c'est-à-dire toujours ferme le retard, un retard énorme. Ce n'est pas par rapport à la construction, parce que Allah je suis dépassé. Il croit que, je vous dis, c'est des architectes et des maîtres d'ouvrage et tout, je suis dépassé, c'est des gens dépassés. C'est surtout d'un certain âge. Ils pensent qu'ils sortent à la structure génie civil, tu sortent à la structure, maintenant le projet est prêt. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le plus grand problème, c'est à l'intérieur, c'est les installations, il y a comme les installations MEP, mécanique, électricité, plomberie, qui causent des problèmes. Parce que la coordination entre les réseaux, a dit qu'il y a l'étude de l'autre. La réalisation de la structure, des murs et toutes les séparations à l'intérieur, ça peut se faire en 1 an à l'aise. 2 ans, rien pour les installations à l'intérieur. D'accord? Donc, à la Kinahdro, un grand projet. C'est là, où la construction digitale. La construction digitale, donc, ce que je vais faire, je vais réaliser mon projet, on va essayer de simuler tout ça. On va essayer de réaliser le projet sur une maquette digitale, en 3D, avec toutes les dimensions, toutes les informations, etc., etc. Alors, je peux détecter les problèmes les rahikoun. Donc, le réseau d'Yalena je peux faire une détection de clash, qui a des logiciels pour ça et tout. Et je peux vérifier est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un conflit entre les réseaux, est-ce qu'un réseau les rahikoun. Je peux aussi, donc, je travaille sur ce qu'on appelle une plateforme collaborative, ce qui permet d'avoir toujours les dernières révisions. Toujours, toujours, on khdem la dernière révision, là où on khdem bien l'architecte. Parce que, علاش rana khdemou kif-kif, la même maquette. Rana khdemou tout les intervenants, ils khdemou kif-kif, ils khdemou ensemble. C'est ça l'intérêt. Donc, il ne peut pas y avoir
un problème de mise à jour où l'architecte il est plus avancé que l'ingénieur. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt principal déjà de la construction digitale. Alors, je vous dis donc voilà, je propose réellement c'est un module découverte. Et j'ai proposé cette année de vous faire ça, de vous faire la construction digitale. Premier point déjà, donc je vais vous partager l'image. Rapidité. Est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. Okay. Alors, est-ce que qui peut me dire ce que cela veut dire? Je connais l'image à dire. Si en 2009, qu'un hélicoptère ou une photographie, ou d'autres qu'en 2019, qu'un drone ou matériel. Voilà, exactement. Plus Ça. sophistiqué. La technologie cause le chômage. Voilà. Très, très bien. C'est exactement ça. In just 10 years, both the cameraman and the pilot lost their jobs. Il faut toujours faire upgrade. Lazm nkounou à jour, lazm tkoun à la page avec la technologie. Tkoun en retard, surtout dernièrement. Tkoun en retard, tu es dépassé. Alors je vous dis, moi actuellement, bon, moi j'ai démarré avec le système classique, parce que j'ai démarré comme ingénieur et tout, j'ai travaillé dans le système classique, etc. Ensuite, bon, je me suis spécialisé dans la construction digitale. J'ai toujours eu un faible pour tout ce qui est informatique, développement, etc. Les logiciels et tout. Et du coup, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Et maintenant, bon, ce que je fais l'intégration du concept BIM ou là, le concept de la construction digitale dans les entreprises qui travaillent toujours avec le système classique. On peut dire les quasiment toutes les entreprises en Algérie ou les bureaux d'études travaillent avec le système classique. Donc, comme il y en a ceux qui veulent changer, ils veulent passer à la nouvelle solution de la construction digitale, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il va falloir faire toute une transition, parce qu'il y a toute une série d'outils, de nouveaux outils, un nouveau concept et tout. Donc, moi, je fais la formation, je fais l'intégration du nouveau concept dans les entreprises, je forme les ingénieurs, etc. Et ce que j'ai remarqué, en tout cas c'est clair, les entreprises actuellement recherchent des ingénieurs qui savent faire ça, qui savent déjà, qu'ils ont déjà une certaine formation dans le concept de la construction digitale, dans les logiciels, les outils qu'on utilise pour la construction digitale. Et je peux vous dire, c'est introuvable. Alors maintenant, plusieurs entreprises, même d'autres entreprises, ils me contactent et tout. Est-ce que vous avez un ingénieur qui sait travailler avec Revit ou là, qui connaît le concept BIM ou là? Parce qu'un ingénieur, donc à classique, il peut en trouver. C'est vrai que votre domaine, entre parenthèses, votre domaine, il est vraiment demandé hein, par rapport à la construction ou la travaux publics. Oh, de loin. Il est très demandé. Construction, travaux publics, ils ont un très grand problème de chômage. Mais votre spécialité, pas vraiment. Tout Ma simplement parce que. Inch'Allah, jusque-là, je n'ai pas vu vraiment des ingénieurs dans votre spécialité en chômage. En plus, l'avantage, c'est que vous travaillez dans votre domaine, dans vraiment le cœur de votre domaine. Mais chez les ingénieurs génie civil en construction et tout, le plus souvent, hein, mais ils vont faire conducteur de travaux, ils vont faire chantier au classe. Donc, vous, non. Vous allez faire votre travail dans vraiment votre spécialité. Voilà, parce que le projet, réellement, un grand projet, il nécessite un à deux architectes, il nécessite un à deux ingénieurs génie civil, mais il nécessite une dizaine d'ingénieurs en mécanique et électricité. Au moins, 6 ingénieurs pour la mécanique et 4 ingénieurs pour l'électricité. D'accord? Donc, déjà, la demande Kibera,
Et il faut dire, Tani, il n'y a pas beaucoup d'universités qui sortent des ingénieurs en équipe. Au début, il n'y avait que Bab Zouar. Maintenant, il y a quelques universités à droite, à gauche, Annaba, Wahran, etc. Donc, il y a les ingénieurs. Mais réellement, les ingénieurs en équipement, la cache bizarre. Mais chez ma construction ou la travaux publics, etc., quand même bizarre les universités, les routes. L'IDA, l'IA. Il faut que chaque wilaya ait les ingénieurs, des centaines d'ingénieurs en génie civil, les routes de chacun. OK. Revenons à nos moutons. Donc, comme je vous ai dit, le fait de connaître la construction digitale ou de connaître des logiciels dans ce domaine-là, c'est un très grand avantage actuellement. Mais dans quelques années, je peux vous dire, ça va sûrement devenir une obligation. Ça va devenir un critère obligatoire, indispensable pour recruter quelqu'un. Donc, vous ne connaissez pas le BIM, c'est un très grand problème. Vous ne connaissez pas la construction digitale, c'est un très grand problème. J'ai fait une fois, j'ai fait une. Oui? كيفاش نعرفوها؟ Donc là, je suis en train de vous initier. Je vais vous faire le cours de la construction. Justement, c'est pour ça que j'ai choisi le cours spécialement de la construction digitale. Bon, c'est vraiment ma spécialité. Bon, je suis spécialisé dans l'énergie solaire, tout ce qui est énergie solaire, photovoltaïque. D'ailleurs, en principe, si tout va bien, l'année prochaine, inchallah, vous allez faire le chauffage solaire avec moi. Et je suis spécialisé aussi donc tout ce qui est construction digitale et BIM. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce cours-là de la construction digitale afin de vous initier, parce qu'il déjà comme des bases, comme des bases dans le BIM. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez démarrer même à apprendre à travailler avec Revit ou avec des logiciels comme ça. Ça va vous être un peu plus facile que pour un ingénieur qui n'a jamais fait, qui ne sait même pas ce que c'est que le BIM. Pardon? Le BIM, c'est quoi? On va y passer, on va pas. Donc le cours, je vais vous parler du BIM, je vais vous parler de tout ça. Justement, le BIM, c'est ça là, c'est la construction digitale. C'est la même chose. Quand on parle de BIM, la construction digitale, c'est quasiment la même chose. On va y passer. OK, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Monsieur, merci. Monsieur. Très bien. Donc, pour le cours, ne vous cassez pas trop la tête, mais je vous conseille de prendre note, quelques notes à d'abord, parce que principalement, je vous pose des questions dans l'examen, inchallah, sur la compréhension. Mais chez l'Hafada, la définition, ou le numéro exact d'une certaine norme, ou là. Je vais voir ce que vous avez compris. D'accord? Donc, je vous conseille de prendre note. Et pour les cours, je vais vous dicter, ou là, je vais vous envoyer les cours directement en PDF, par email. OK. Donc, comme vous m'avez demandé, que c'est que le BIM. Le BIM, en fait, c'est un concept. D'accord? C'est un concept. BIM, ça tient pour Building Information Modeling. Vous écrivez ça. Donc, Building Information Modeling. Alors, building, donc c'est en quelque sorte, voilà, votre collègue a déjà donné la réponse. Alors, building, c'est-à-dire bâtiment. Information, donc information. Modeling, c'est la modélisation, c'est-à-dire que je vais faire une maquette, d'accord? Une maquette de mon bâtiment basée sur l'information. D'accord? Donc, Bukhari, kifash kanu les plans? Kifash kanu les plans? Donc, quel est le déroulé en 2D? On dessine des gaines, on dessine la tuyauterie, etc. Mais réellement, le plan,
ما تقدر تعرف وين راهي لاكان، ما تقدر تعرف وين راهي لا تويوتري، ما تقدر، سي دي لين، سي دي لين. لو كان هذاك لو ديسيناتور ما يعطينيش لو ديتاي اكزاكت، داكوغ، ما يقوليش اكزاكتومون سكو سي، جو نو بوغي با سافوار. On a un exemple. Je ne pourrais pas savoir exactement ce que c'est, ou la, est-ce que Hadak c'est un réseau de GAN ou la, un réseau de tuyauterie ou la, d'accord? Je vais vous donner un petit exemple en arrière. Voilà. Partage. Donc, par exemple, Hadès, c'est un exemple. Barkhanaya. Bon, c'est pas. C'est juste Hadjar fait un petit schéma. Ce que vous voyez, un des, par exemple, c'est un réseau de gaines où les carrés, donc c'est des grilles. C'est des grilles de soufflage. Un réseau de gaines, quand les communes ont l'air traité, l'air il est. Il est refroidi ou il est chauffé, il est filtré, etc. Donc il est traité. Ensuite, on l'envoie dans le réseau de GAN. Réseau de GAN, durant Paul, vous pouvez faire une petite recherche sur le réseau. Bref. Donc l'air qui jousse, il va vers les grilles. Donc l'air, c'est des carrés, comme vous voyez. Non, comme le plan a d'ailleurs, me fiche des détails. C'est difficile pour moi de comprendre ce que c'est. Vous êtes d'accord? C'est dur pour moi de voir ce que Hadaouchnou va dire. Est-ce que c'est une gaine ou la, c'est une gaine de désenfumage ou c'est une gaine de soufflage, une CTA, elle est reliée à quelle CTA exactement? Donc, Lucan, celui qui a fait le plan, ne me donne pas tous les indices, je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est. Par contre, dans la construction digitale, je vais faire une maquette réelle de mon projet avec toutes les informations. C'est-à-dire que si l'ingénieur il vient, il clique sur, il sélectionne une partie de ce réseau de GAN, n'importe quelle partie, il aura toutes les informations nécessaires. C'est-à-dire la dimension, quel est le type de système utilisé, quelle est la CTA. Ou la centrale de traitement d'air reliée à ce réseau-là, toutes les informations nécessaires, je peux en rajouter autant que je veux. Par exemple, le constructeur, le fournisseur, le prix du mètre linéaire, je peux insérer autant d'informations que je veux. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt du BIM. Non seulement, donc, il y a ça, il y a aussi la 3D. Donc, je peux voir en 3D. Tant que je donne la hauteur. Qui est une information. Donc, je peux voir le réseau qui est allé où Narao exactement situé par rapport au plan 2D qui est Narao Hagder. Très simple. D'accord? Donc, c'est ça déjà principalement le concept du BIM lui-même, c'est quoi? Donc, il faut comprendre, il ne faut pas faire l'erreur. Le BIM, ce n'est un logiciel, d'accord? Ce n'est pas un outil. C'est un concept, d'accord? C'est un concept. Alors, il est basé sur l'information, il est basé aussi sur la coordination et la collaboration. Donc, on dit plusieurs intervenants. Par exemple, l'architecte est un intervenant, l'ingénieur mécanique est un intervenant, l'ingénieur en électricité est un intervenant. Je peux avoir même des gens qui sont extérieurs à mon organisation, par exemple le client, l'entreprise de réalisation, les ingénieurs qui vont vers le suivi, etc. C'est des intervenants dans le concept du BIM. Tout le monde a un rôle. D'accord? Tout le monde a un rôle. Donc, en réalité, c'est un concept et non pas un outil. Donc, il faut bien se rappeler de tout ça.
Donc, le BIM Hada, réellement, ça a démarré, ça fait longtemps, hein. Ça fait, je vais vous dire, les environs, les années 70, dans les années 70, ils ont démarré ce concept-là, l'équipe de les ordinateurs. Okay. Mais le problème qu'ils ont trouvé, c'est que la configuration, les ordinateurs, n'était pas assez puissante pour pouvoir gérer tout ça. Il y a beaucoup d'informations à traiter, il y a les modèles graphiques, etc. Donc, c'est difficile de gérer tout ça avec les ordinateurs qu'il y avait à l'époque, avec la configuration, les quintettes. Alors, réellement, ça fait environ 10 ans, 7 ans, avec environ, oui, ça a commencé vraiment à s'éclater sur le monde entier. Donc, actuellement, ce n'est pas tous les pays du monde qui sont avancés dans le BIM. Bon, il y a les États-Unis. Les États-Unis, c'est clair. Donc, c'est vraiment limité, hein. Il ne faut pas faire grand-chose. Les États-Unis, c'est là où ça a démarré, donc c'est tout à fait normal. Ils sont très, très avancés. Il y a aussi bon, le Canada, ça suit un peu les États-Unis. Il y a en Europe, il y a beaucoup plus les pays scandinaves. Ils sont très avancés. Il y a bien sûr l'Angleterre, enfin plutôt l'UK, donc le Royaume-Uni, est très avancé aussi, le BIM. Donc réellement, après les États-Unis, pour moi, après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, UK. Ils sont très avancés avec le BIM. Donc La la France France a quelques aussi. plats à m'avancer à gérer. Bon, l'Afrique et l'Afrique du Sud, assez. Nigeria dernièrement. Mais Marrakech, un pays vraiment, vraiment avancé. La transition, je suis la transition, comme je disais, par exemple, Maroc, il est plus avancé que l'Algérie en termes de ville. Sont beaucoup plus avancés que nous. Hein. Ils travaillent Aussi bizarrement France. les Français et tout. Oui. La France, non? La France, si. Non, la France, ils sont très avancés. Ils ne sont pas aussi avancés que les Américains ou les Anglais, mais ils sont très avancés, surtout actuellement. Donc, ils font beaucoup de. Ils ont ouvert même des masters spécialisés dans le BIM, des formations spécialisées dans le BIM, etc. Des formations de BIM manager, des formations de BIM ordinateur, etc. Et dans les bureaux d'études, donc c'est très demandé. Mais ce n'est pas encore généralisé. Ça ne veut pas dire que tous les bureaux d'études en France travaillent avec le BIM. Pas encore. Même au Maroc, ils sont en période de transition. Ils sont en train de former, ils sont en train de se préparer pour la suite. Ou je qu'il y a bzef les bureaux d'études qui ont déjà entamé ça fait des années. Je peux vous dire que l'un de recul à peu près, hein, 4-5 ans à Grec, maximum. 4-5 ans le BIM. Mais comme ce n'est pas tous les bureaux d'études. En Algérie, donc, il y a quelques bureaux d'études qui essayent de faire la transition. Ils sont en train de. Mais ma cache ouah de l'air avec à 100%. Les collègues d'un bureau d'études 100% BIM, c'est faux. Je peux vous dire à 100% de l'essai. La cache là, 100% BIM, ou correctement au cloche. Mais ils sont en période de transition, formation, etc. Donc, comme l'origine, peut-être Bakri, mais comme dernièrement, la configuration et tout avancé, etc. Donc, ça, il y a eu une explosion. Tout le monde a démarré. Ils veulent passer le BIM. Déjà, pour éviter le problème principal, les conflits, c'est un très grand problème. Conflits, que ce soit en termes de version, ou là, en termes de communication, etc. Ou là, en termes de clash. Le clash, donc, les états qui brûlent le réseau, ils brûlent les réseaux. C'est un problème à la base pour résoudre les problèmes. Je vous répète, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'accord? Donc, ça leur évite tout ce genre de problème. Et pour le canard, par exemple, celui qui a réfléchi à utiliser un drone au lieu de terre, qui va se ramener, donc il y a un hélico, le pilote dit le caméraman, on risque et tout, le fuel donc de l'hélicoptère, Ça cher, drone, c'est interdit d'être le Zaire.
خلينا دوك انا نهضروا اون جينيرال. دزاير سي با ان اكزومبل، حاجه تاع تكنولوجي دزاير سي با ان اكزومبل بور لو مومون، بالك بلو تار ان شاء الله. بور لو مومون سو ني با فريمون ان اكزومبل تاع تو سكي تكنولوجي، مي ils sont obligés de suivre quelques détails parce que à l'étranger ils vont y passer. Donc tu mets le BIM, ils sont obligés d'y passer parce que le monde gars la dire la transition vers le BIM. Ma cache qui fait mettre ma tâche là. Ma cache qui fait le monde gars qui n'y redemp AutoCAD par exemple ou Zaire pas ou Hadomi dessiné à la main. C'est pas possible. Mais bon, tout ce qui est interdit et tout, mais je veux dire, c'est un exemple. Qui fâche la personne qui a réfléchi à utiliser le drone par rapport à l'hélicoptère, c'est parce que c'est moins coûteux, plus facile à réparer, il y a moins de risques pour le caméraman, le pilote, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Tous ces avantages-là, pourquoi je ne peux pas les utiliser pour rendre, rendre le travail plus économique et plus pratique, d'accord? Plus efficace. Kima tani par exemple les voitures qui se conduisent automatiquement, donc autopilot, des voitures automatiques, vous savez, avec Tesla et tout, oui, il y a plusieurs voitures qui se conduisent seules. Mais donc actuellement, il y a eu beaucoup de marques dans le monde qui se lancent dans tout ça. Il y a même Apple, même Samsung, même, donc il y a eu beaucoup de marques qui ne me connaissent gaffe. Domaine les voitures, la mécanique et tout, parce que c'est un concept très intéressant. Ça évite, réellement, ça évite les accidents. Contrairement à ce qu'on peut penser, une voiture qui peut tout savoir, avec l'être humain, il peut faire des erreurs. L'être humain, il est vraiment un dos la tête, surtout qu'il a des problèmes, des choses sur lesquelles il pense et tout. Il peut se déconcentrer. Par contre, l'avantage numéro un de l'ordinateur, du système automatique, c'est qu'il est 100% concentré sur la tâche de l'état. Mais même chez Adjour. Alors, ça évite les problèmes, les risques qui peuvent être humains. Il peut s'oublier, il peut le téléphone ou là. Par contre, l'ordinateur, non, il est en contrôle permanent. Il chauffe, s'il y a un véhicule qui s'arrête ou là quelqu'un qui passe ou là, il arrête le véhicule directement. Ou il peut qu'on a un champ de vision, surtout en utilisant les satellites, etc. Donc, il peut qu'il chauffe même à 1 km plus loin ou là, même plus. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un obstacle ou là, il y a un risque ou là, il y a quelque chose? D'accord? Donc, les gens qui réfléchissent, ils ont pensé pourquoi ne pas utiliser tout ça, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle, AI, Artificial Intelligence. C'est ce qu'on utilise, donc l'intelligence artificielle va être utilisée, généralisée partout. C'est ça l'avenir, sauf s'il y a un apocalypse où là, il n'y a plus d'énergie, ou là, des hadjard, je ne sais pas. Mais tant qu'il y a la technologie, il y a l'avancement Hadaya, c'est tout à fait normal, on va avancer dans ce sens-là. Alors il faut toujours être à la page, d'accord, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc, dans le domaine du bâtiment, ils ont pensé de la même manière. Alors, on a des ordinateurs très puissants, on a des processeurs qui peuvent faire des calculs énormes en quelques millisecondes. Pourquoi ne pas les utiliser pour détecter tout ce qu'il peut y avoir? Parce que là, j'imaginais un projet énorme, par exemple, un projet énorme, un type normal, moyen, qui met le centre commercial d'Amat Ababzou. شحال فيه لي ريزو داخل كون ترفدوا راسكم باك تشوفوا لي ريزو كاع اللي راهم جايزين لي ريزو كاع لي شومان كابل تويتري اكسيتيرا شوفوا لي ريزو كاع ايماجيني لو كان واحد يبدا يحوس عليهم بيدو يحوس ويشوف وين راهو ريزو داخل فيه ريزو واحد اخر يضرب 6 شهور عام ما يكملهمش باغ كونتخ ان اورديناتور اون كيلكو مينوت اون كيلكو مينوت ريان دو تو اي بو فير توت لا ديتيكسيون دو تو لي ريزو اي بو سورتير تو لي كلاش كيا. Une fois j'ai fait ça, je peux savoir, donc je peux régler, je peux trouver des solutions plus rapidement et éviter tous les problèmes qui risquent d'arriver sur chantier. Et bien sûr, je peux faire autre chose cette année, vu que le projet d'IAL est basé sur l'information. Je vais faire un petit partage en même temps.
du logiciel Revit. C'est l'outil phare du BIM, en fait. Donc, comme l'autre intérêt, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quel élément que je sélectionne, je pourrais avoir toutes ces informations. Ça peut être, par exemple, le coût, ou le poids, ou la toute. Donc, ce qui me permet de faire une estimation exacte de mon bâtiment. D'accord? Je peux estimer exactement la réalisation. Parce que ça, c'est un autre problème très important. L'estimation, il y a des erreurs. Soit Ziada, soit Ben Noksan. Et ensuite, il y a un impact sur le marché, sur les finances, etc. Donc, on arrive à ce qu'on appelle les avenants, on va des soucis, demander, alors, ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser un logiciel pour faire une estimation exacte. Là, si je réalise mon installation vraiment très proche de la réalité, je vais avoir une marge d'erreur très, très, très petite, voire négligeable. OK? Donc, c'est ça, parmi l'intérêt de l'utilisation du BIM, on a pensé à utiliser le BIM. OK? Donc, je vous répète encore une fois. Les objectifs, voilà, on a utilisé le BIM. Donc, le problème du coût, parce que je peux faire une meilleure estimation, je peux faire une meilleure utilisation, une meilleure étude. La maquette complète, je peux l'avoir, je ne me base pas sur l'imagination, mais plutôt je vois avec mes yeux. Je peux faire un meilleur résultat. Et en plus de ça, donc, bon, il y a aussi le côté écologique, donc le respect de l'environnement, etc. Étant donné qu'il n'y a pas de perte, tant qu'il n'y a pas de perte, je touche moins l'environnement, je respecte bien le côté écologique. Par exemple, un drone respecte l'écologie et l'environnement plus qu'un hélicoptère avec tout le taux de CO2 qu'il dégage. Donc, il y a bien sûr le respect de tout ce qui est écologique et l'environnement, etc. Il y a aussi donc la qualité de la fabrication, la qualité du travail. Donc, je vais réaliser une maquette, un projet plutôt, qui ressemblera à la maquette d'Ali. Donc, je pourrais le façonner très très bien. Pourrait respecter les normes, on appelle ça les règles de l'art, pour réaliser un projet de qualité. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, on va passer par rapport Donc, chaque logiciel il s'appelle bien. là. Donc le BIM, c'est un concept. Hein? C'est un projet BIM, qu'est un projet classique, qu'est un projet en BIM. Donc un projet classique, comme c'est les plans, il y a un périmètre, le projet BIM, ça peut être, bon, il y a toujours les plans, hein, l'utilisation des plans est nécessaire. Je fais les plans, mais je rajoute aussi une maquette 3D. Généralement, bon, à l'étranger, on utilise des tablettes. D'ailleurs, si vous remarquez les photos récentes des chantiers et tout, on trouve toujours des tablettes posées sur le bureau, là. Les chantiers, etc. On trouve des tablettes. On travaille avec des tablettes, on peut vous regarder notre maquette celui qui va réaliser, il aime faire le plan ou là, il a la maquette dialogue, la tablette, il chauffe, il peut voir réellement le réseau qui fait Sharaoujaïs. Parce que c'est mieux que l'imagination. L'imagination, elle peut mener à des erreurs. OK? On peut utiliser aussi les casques VR. Donc, les casques VR, parfois, on les utilise pas très souvent. Hein. Ce n'est pas Hadja nécessaire. La tablette, elle est utilisée vraiment. Mais VR, casque VR, c'est juste un plus. Hein. Donc, on met un casque, on se met dans un local technique, par exemple, on peut voir toute l'installation qui fait à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, Mechanical Equipment VR.
Vous pouvez trouver des vidéos, par exemple, technical room, HVAC, une seconde, je vais écrire ça. Donc, vous pouvez faire ça, faites HVAC, technical room. C'est Google ou la HVAC VA. Vous pouvez faire des tests. Vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent comment le VA travaille avec le BIP. Comme tu as le truc, le BIP, c'est un concept. Quel outil on va utiliser? Là, c'est une série d'outils. Le BIM, qui est le bureau d'études, il va faire le projet ADA en BIM. Il va utiliser une série de logiciels tel le BIM. D'accord? À un certain moment, il y a un chapitre spécial pour les logiciels, les outils du BIM. On va parler de tous les logiciels nécessaires pour le BIM. Donc, le BIM, naturellement, il connaît des contraintes. D'accord? Il connaît des contraintes. Parmi ces contraintes, les principales, donc c'est la partie de transition, elle est vraiment difficile, elle n'est pas simple. D'accord? Le souci avec, c'est que beaucoup d'ingénieurs, surtout des rangs avancés, peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui travaillent avec AutoCAD, avec des logiciels en 2D et tout, on va tout changer, on va faire la transition vers le BIM, c'est pas évident. J'ai remarqué ça. Les jeunes, ils sont plus aptes à suivre les formations de BIM que les gens qui dépassent la quarantaine. C'est tout à fait normal. Connais aussi, j'ai fait des formations avec des gens qui dépassent 45, 48 ans et tout, mais ils ont bien avancé, ils ont appris à utiliser le logiciel, ils travaillent avec, etc. Ils travaillent en BIM sans problème, gars. OK? Donc, principalement, les contraintes, c'est ça. Donc, le problème, c'est la transition. Parce que, même, c'est en quelque sorte un investissement. Parce que on va passer à une période à essayer de développer le BIM dans l'entreprise avec les formations, etc. Il n'y aura pas assez de rentabilité pour le bureau. Donc, c'est le problème parmi le problème principal vers l'utilisation du BIM dans le bureau d'études actuellement. Peut-être dans l'avenir, Inch'Allah, ça va changer. Et on va terminer avec les niveaux du BIM. Donc, le BIM, en fait, il est divisé en quatre niveaux. D'accord? Quatre niveaux. Il y a le niveau zéro. Qui est le niveau zéro, réellement, c'est pas le BIM. Qui est le BIM niveau zéro, ça veut dire machine BIM. Maintenant, le système classique. Le système classique, du cas où le BIM niveau zéro. Level zéro. Ça veut dire que je vais imprimer des plans, qu'il risque d'y avoir des conflits, il risque d'y avoir des erreurs, etc. Donc, c'est pas Hadjalin. Il y a le BIM Level 1, le niveau 1. Donc, le BIM niveau 1, là, on commence à utiliser la 3D. D'accord? On peut utiliser, donc, chacun réalise la maquette Dialo en 3D. Mais, ce n'est pas tous les intervenants qui travaillent dans la même maquette. Je fais l'installation d'Yalikimarani par exemple, en 3D. L'ingénieur en électricité fait son installation avec les chemins de câble, les armoires électriques, etc. L'architecte fait le plan, fait la maquette de l'architecture. L'entreprise de réalisation n'a pas accès direct à mon travail. Et c'est vrai que rani nkhdem sur le BIM, il n'y a pas la collaboration. Il n'y a pas vraiment de la collaboration entre tous les intervenants. Donc là, on parle de BIM niveau 1. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans la même maquette. Il y a le BIM niveau 2. Là, le BIM niveau 2, c'est là où ils sont plusieurs bureaux d'études en France. Bon, en Algérie, rana habsil fi niveau 1. On cache les dépassa le niveau maximum. Là, on est niveau 1.
Voilà, يخدموا بالبيم، سي فغي يخدم افيك ريفيت ويتيليز دي لوجيسيال دو بيم، مي يا با لو ترافاي كولابوراتيف كومبلي. دكور؟ Par contre, dans le niveau 2, en France, في UK, في États-Unis et tout, on travaille avec بزاف عمي يخدموا بالنيفو 2. ماشي je vais pas vous dire les beaucoup de bureaux d'études hein. Mais ceux qui travaillent dans le BIM كاين بزاف منهم اللي راهم يخدموا بالنيفو 2. نيفو 2 c'est quoi donc عندي une maquette centrale sur laquelle tout le monde travaille. Il y a les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs en mécanique, les ingénieurs en électricité. Il y a aussi les ingénieurs en maîtrise ou les techniciens en maîtrise qui vont faire l'estimation. Parce que l'estimation, elle est très importante. L'estimation, elle a tout un département. Département, c'est l'estimation dans un projet. Parce qu'elle est très importante. Je n'arrive pas exactement شحال لازم لي دراهم، شحال لازم لي هذه، شحال لازم لي هذه، شحال راح يشد لي في الوقت ثاني البيلي بوغ يقول لك انتم اكتبوا بلاك تاع بروجي، يقول لك بروجي ها واش فيها واش فيها، يكتبوا تحت استيماسيون تاع البيلي وقتاش قال بلي فان دي ترافو استيمي بوغ لو زعما بوغ جونفيي 2024 ولا ان تخيك كوم سا. دونك سيت استيماسيون الي با فوني جوست كوم سا، يا توت اون ايكيب qui s'occupe de tout ça. D'accord? Donc, dans le niveau 2, tout le monde travaille pour la maquette. Même l'équipe de l'estimation, elle a accès à la maquette 3D, les ingénieurs, les architectes. Okay? Tous les intervenants, ils bouclent la maquette dans un travail, dans un environnement collaboratif. Donc, il y a une collaboration entre tout le monde. Là, on parle plus de 3D, mais on parle de 5D. هنتلاقاو بها بزاف هذه باسكو vous allez faire des recherches sur le BIM 5D 5 dimensions c'est quoi donc عندي la 3D bon c'est clair donc largeur longueur et hauteur وعندي تاني la quatrième dimension c'est le temps donc حاب يقول معناتها انا j'avance ou je change تاني le délai تاني راني نافونس فيه donc je peux faire l'estimation du temps على حساب انا كيفاش راني نافونسي في الخدمه ديالي في لا 3 دي ديالي وفي الانستالاسيون ديالي بلي زانفورماسيون جو بو استيمي تاني لو طون شحال راح تقعد لي لا رياليزاسيون بو رياليزي تو سا شحال راح نقعد في الوقت دونك لو طون شونج مع لا 3 دي راني نافونسي فيها دونك سي اون كاتريام ديمونسيون هي لو كو اوسي دونك بلوس جافونس لو كو تاني راهو جو بو فير اون استيماسيون دو كو دونك لو كو تاني راهو يتبدل قد ما نافونسي قد ما لو كو راهو يطلع ويزداو يتبدل زعما نزيد ان نوفو ريزو لو كو راهو طلع دونك صحاب ليستيماسيون اي بو فير اي بو افوار اون ايدي لافونسمون تاع البروجي اون تيرم دو طون دو ديلي اي اون تيرم دو كو لو كو سي لا سانكيام ديمونسيون سيتادير كو لا جو سوي ا 5 ديمونسيون داكور دونك لا اون بارل دو بيم نيفو 2 il y a aussi le BIM niveau 3. Donc, Hadaya, ce n'est pas, c'est une projection dans l'avenir, c'est pas encore, personne n'est encore là. La majorité des bureaux d'études sont en train de faire leur possible pour faire la transition vers le niveau 2. Ils sont en train de former et tout, ils sont en train de maîtriser le niveau 2. Le niveau 3, c'est de travailler, tout le monde travaille dans le cloud. D'accord? Donc, tout le monde travaille en ligne. On a une maquette dans le cloud. Mais je n'ai même pas à avoir un serveur local dans mon entreprise. Donc, les fichiers, la 3D, la maquette, rahi dans un serveur en ligne, le cloud, qui m'a par exemple Google Drive ou un truc comme ça. Donc, où tout le monde accède instantanément à cette maquette-là. Tout le monde accède instantanément, on peut faire des modifications à cette maquette-là. Donc, Hadia, ça nécessite non seulement des ordinateurs très avancés, très puissants, mais aussi une Internet très très rapide, d'accord? Un réseau Internet très rapide. Donc, on a beaucoup, on est optimiste avec la 5G, l'utilisation de la 5G pour arriver au niveau 3. Mais pour le moment, le niveau 2, il est largement suffisant. Et on est arrêté au niveau 2 pour le moment, niveau 3, mais OK, est-ce que vous avez des questions?
Monsieur, Oui. donc, حنا في البي اف نخدموا بالكونسيبت بيم ولا بالانسيان ميثود؟ Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que le concept BIM, il nécessite, déjà, c'est même Zama, par exemple, j'ai connu des ingénieurs qui ont fait la formation, dans Darumaya ou mais les bureaux d'études d'Yalom ils ne travaillent pas avec le concept BIM. Ils ont trouvé des problèmes. Parce que le concept BIM, c'est toute une équipe. C'est pas un tel ou c'est pas un tel ou le binôme dialecte là. Et bon, nous avons le bilan dialecte, tu peux dire une maquette, tu as le bilan, tu as une maquette sur Revit, ou la Trello. Mais vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas assez d'expérience. J'ai vu ça, la majorité, bah, machi, tous ceux qui ont essayé de travailler sur Revit, de faire l'installation du PFEDM sur Revit, à mi-chemin, ils ont arrêté parce que vous n'avez pas assez d'expérience logicielle. Il est difficile à apprendre, mais il n'est pas aussi facile que ça. Je dis pas qu'il est impossible, hein. Rien n'est impossible. Peut-être plus tard, pour qui tous les ingénieurs ou là, tout mal est à ou c'est le mot de Revit, développer ou faire. Mais sinon, je l'entreprise, il y a les rachetés. D'accord? Donc, je vous dis ça entre parenthèses. Mais pour les PFE, je vous déconseille. Je vous déconseille d'essayer de travailler avec un logiciel maîtrisé déjà l'installation d'IL qui fait je code en 2D. Maîtriser ça bien. Parce que déjà, je traite très bien Revit, il faut qu'on ait une certaine maîtrise. Il faut qu'on ait une certaine expérience quand même. Faire donc les projets de fin d'études, nous avons comme un intérêt clair, c'est que vous allez sortir sur chantier ou dans la vie professionnelle avec une expérience dans le projet de fin d'études, parce que c'est exactement la même chose que vous allez refaire durant le travail professionnel. D'accord? Le bureau d'études. C'est exactement ce que vous allez faire dans les projets de fin d'études que vous allez refaire tenir le bureau d'études. Donc, apprenez à utiliser ça déjà, à travailler avec les outils en 2D, parce que déjà la majorité des bureaux d'études, je vous ai dit, Rahmi Khedmo en 2D, machin en 3D, machin en BIM, voilà. Alors, autant avoir une expérience avec l'utilisation des outils de 2D. Ensuite, vous pouvez vous développer, ce n'est jamais trop tard, vous pouvez vous développer vers le concept BIM. Le plus important, c'est de bien comprendre le concept, c'est d'apprendre, essayez par vous-même, hein, à votre temps libre, essayez de démarrer à apprendre Revit. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de suggestions, ou là, vous pouvez m'envoyer des mails, ou là, et je vous partage des documents. OK? Monsieur SketchUp, Yann. Ah non, SketchUp, SketchUp, Oh. c'est pour les architectes, c'est pas pour les ingénieurs, non. ما خلط فيه شوية ثم راني لاخر. مليح مليح حاجة مليحة شوف سكتشوب اللي سامبل اللي تري سامبل دونك سكتشوب حاجة مليحة كي تبدا تسيي فيه سا ايد دو كومبخوندر لو برانسيب تاع لا 3 دي كومون سا باس اي ريالمون بور لي بور تو سكي ام اي بي لوسكون بار بيم يا با ميو كو ريفيت ريفيت سي لوتي فار سي لو ميور لوجيسيال بور لو بيم اكتويلمون مي il couvre pas tout le concept du BIM, il y a d'autres logiciels tenés à utiliser avec. D'accord, donc il y en a plusieurs pour Monsieur, l'estimation, les calculs, etc. Oui. je n'ai pas logiciel et ne autant que les étudiants, pour l'instant. D'accord, donc le premier logiciel que vous devez connaître, c'est AutoFluid. Donc, un comme AutoFluid pour le dessin vers les réseaux. Sur AutoCAD, c'est un logiciel, c'est un plugin, c'est un add-in, il est là, AutoCAD. Ah, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour dessiner les réseaux de gain comme la tuyauterie, etc. Pour le calcul du bilan thermique, vous pouvez, il y a CarryHub. Il est très intéressant aussi. Donc, je donne toutes les informations de la paroi d'IALI, l'orientation, etc. Donc, là, pour le bilan thermique, je pense vous commencez à avoir une idée sur le bilan thermique, ce que c'est. Je n'arrive pas que les besoins d'aller en chauffage et le besoin en froid. Exact. Je ne pas faire de pertes qui ne sont pas nécessaires. Donc, CarryHub, pour lui, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, monsieur, had les deux, nous pouvons le faire même quand j'ai fait ta fin d'études. Oui. Je vous conseille de travailler avec les logiciels HEDMA pour la fin du.
pour le projet de fin d'études. Vous pouvez travailler avec Excel, hein. Excel, il est intéressant parce que on va dire, pour maîtriser les équations. Vous pouvez faire votre tableau Excel et vous travaillez avec pour faire les calculs. Vous allez trouver, de toute façon, les anciens projets de fin d'études, vous allez trouver des tableaux Excel déjà existants. Vous pouvez les utiliser, mais je vous conseille de faire votre propre tableau. Il faut bien maîtriser Excel, hein. En tant qu'ingénieur, il faut bien maîtriser l'Excel. Parce que c'est pas bizarre pour les calculs. C'est très intéressant, hein, Excel. Le terme Excel, c'est un logiciel. Là, ce n'est pas Excel. C'est un logiciel basé sur Excel. Un, deux, les trois. Bon, pour l'éclairage, il y a Dialux. Pour les calculs bilan puissance et tout, il y a Kaneko. Et pour votre cadre d'ED. Ah, Artec, non, en tant qu'ADMEP. En tant qu'ADMEP, ma fait. En tant qu'ADMEP, c'est en quelque sorte c'est une copie de Revit. Mais impossible. Il est très compliqué à utiliser. Il a besoin d'être en tant qu'ADMEP, apprendre à utiliser Revit. Parce que il y a personne, moi je connais aucun bureau d'études qui travaille avec en tant qu'ADMEP. Même dans le monde, hein, même en tant qu'ADMEP, est utilisé par quelques-uns les États-Unis. Sinon, 99 des gens qui travaillent sur Revit travaillent avec Revit ou la Archicad. Archicad, rarement, ou Archicad, c'est beaucoup plus pour les architectes, c'est pas pour les ingénieurs. Donc, pour vous, lorsque vous voulez apprendre à utiliser le concept BIM, etc., donc c'est Revit. Ce n'est pas un autre logiciel. Pour les calculs, pour tout ce qui est Écoute, ça calcul, m'a fait d'accorder son cher. Ça m'a fait monter là, de plus. Madame, pardon, c'est pas tout. Yani, l'accord. Donc, je mets la vidéo avec. Ah, des vidéos, Ousmane, tutoriel, utilisation. Donc, je vous conseille, les habits à Revit, au début, ne commencez pas avec les réseaux MEP. Ne commencez pas avec les réseaux MEP, commencez avec l'architecture. L'architecture, elle est simple. Le réseau MEP, c'est un niveau avancé de Revit, réellement. Donc, les ingénieurs en mécanique, électricité et plomberie, ils ont beaucoup plus de travail dans une maquette BIM que les architectes et les ingénieurs génie civil. Alors, vous démarrez avec l'architecture, c'est intéressant aussi, elle est facile, elle est simple. Il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels sur YouTube. Comment travailler avec, comment commencer avec Revit, des trucs de base. Je vais essayer de vous partager quelques vidéos sur YouTube qui existent sur le démarrage avec l'utilisation de Revit, l'architecture. Et en tant qu'étudiant, vous pouvez avoir une licence d'un an gratuite de Revit 2021. Il suffit juste de s'inscrire sur le site. Donc, vous faites Autodesk sur YouTube, Autodesk Free Student. OK? Vous faites Autodesk Free Student. Ensuite, vous inscrivez, vont vous demander le badge. Vous êtes vraiment étudiant. Après, on vous donne l'accès pour grâce à un an, vous pouvez travailler avec, OK? D'autres questions? Monsieur, Oui. l'utilisateur BIM, qu'un bizarre ligne vous faire? BIM manager. Non, Hadouk, c'est pas des niveaux, c'est des postes. D'accord? Donc, réellement, Andy Tlata. Hadoun plus tard, Inch'Allah. Donc, Andy le BIM manager, le BIM coordinateur et le BIM modeler. Donc, le travail que vous êtes en train de voir, donc celui qui fait la modélisation, le réseau, etc., c'est le BIM modeler. Il fait les calculs, il fait beaucoup de choses. Le BIM coordinateur, c'est lui qui gère tout ça. Donc, il gère la maquette, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans la même maquette. Il gère la communication bien at home, il fait la détection des clashs au cas où il y a un problème sur place. Et il bat un rapport. Il gère beaucoup de choses. Il gère la maquette avec je mets quand je fais les erreurs, etc. Il y a le BIM manager. Le BIM manager, il s'occupe de tout ce qui est concept BIM. Donc, il cherche s'il y a de nouveaux logiciels à utiliser, s'il y a de nouvelles formations, s'il y a donc, il est vrai, c'est vraiment un travail de management, plus qu'un travail technique.
D'accord, le BIM manager, c'est ça son truc. Donc, il y a plusieurs définitions, mais c'est celle-là à l'utiliser le plus souvent pour le BIM manager, BIM coordinateur, BIM modèle. OK? Vous avez bien compris jusque-là? Monsieur. Merci. Merci beaucoup. OK. Allez, comme ça, alors on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, bon Merci. courage. Je vous avais des questions en ligne, Inch'Allah, mais merci. bon, Merci, monsieur. pas de problème. Bien. Allez, tchè, bonjour.